القدو دنيي لا والله واش كاين في هذه البلاد في الجزائر خويا العزيز هذيك البلاد ديبوي تري تري لونتون جي لي توجور دي البلاد هذه جي باوش بها ولا خصوها الرجال يقولوا باللي حنا ولا غير غوفيرن سو بي كي لي لاش كي لا سو بي كاين الرجال الحمد لله كيما انت بيرسونيلمون واش تتخوف انت باللي تي شيف ديتا تقدر تقول روحك بريزيدون ديتا ارجيان وكا باسكو عندك لا كارور وعندك ليسبري تاع بريزيدون دو لا ريبوبليك الجيريان مو جو فو با شاك بوليتيسيان الجيريان كي بارل جي كومبون با النيفو تاعهم با ترو بزاف Et puis j'arrive pas à lui comprendre le moment qu'il parle. Donc automatiquement, je pense, personnellement, c'est le moment qu'il faut changer le régime algérien, il doit partir. Makesh, Hadi, moi je le dis, je répéterai toujours. Mais je suis d'aujourd'hui, ça vient depuis très très longtemps, je ne sais pas d'aujourd'hui. Et maintenant, c'est le moment de voir la génération pour demain. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Je dis, c'est une honte. شوف المروك خاوتنا عندهم البترول ما عندهمش البترول ما عندهمش الغاز عندهم لاغريكولتور عندهم التوريزم اي بي فينالمون باي سون سور ميو كو نو ماشي عيب سي تي نو حنا عندنا البترول عندنا الغاز وني بوفر اي فو دير لا فيريتي بوركوا Parce qu'on est tombé sur les corrompus qui ne se garantissent pas d'acheter des appartements à nuit, puis tout le monde entier. Et puis après, ils disent maintenant, bah, on n'a plus d'argent. Ouais, mais attendez, s'il y a une justice en Algérie, il faut gouverner ces gens-là qui gouvernent l'Algérie pour voir 800 milliards de dollars, où ils sont partis. Il y a un moulin, mais je suis mille. Où est-ce qu'il y a Le problème de l'Algérie et la puce, c'est honteux. Un président malade, il devrait déjà quitter le deuxième mandat. Il devrait partir. Au Canada, le deuxième mandat, en principe, est roche. Donc, il y aura peut-être le cinquième mandat. C'est une honte. Ça fait 5 ans. 5 ans, on n'a pas entendu parler à son peuple. Un président. Donc, c'est le royaume. Moi, je pense ça comme ça. Et les Algériens, c'est des sujets, c'est pas des citoyens. Non, les Algériens, خلاص, pardon, c'est fini. On ne sait plus. Je ne sais pas où est le chef. Ils ont la drogue dans le pays. Je suis choqué. Je dis que je vais aller dans le pays, je ne sais pas où est le pays. بس البارح فرحوا لي في كيدو في 48 ولايه ما حبوش التزوير تاع الانتخابات فرحوا لي الجزائر البارح بداو 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 يزعزعوا شويه moi je crois pas au vote c'est mon point de vue Anna c'est mon point de vue je crois pas au vote et le cas dire que va وعدو تسعين ان شاء الله moi j'ai voté pour toi pour vous Gaz. Pour nous. Moment, comme j'ai voté, c'est pour ça pour que tu deviennes député. Parce que j'ai cru en vous. Parce que tu es sincère. Moi, je ne vois pas. Garde les policiers algériennes. Au moment qu'ils parlent au peuple, mais nom de Dieu, mais. C'est le cœur qui parle. C'est le cœur qui parle. Moi je suis libre. Donc j'ai éduqué à la française. Hein. C'est pas d'aujourd'hui que je suis en France. Ça fait plus de 50 ans que je suis en France. Hein. Donc j'ai pas l'esprit de cacher les amateurs. Ceci, cela et ceci. Si je veux dire quelque chose, je le dis. Hein? Donc ces gens-là, s'ils veulent gouverner ce pays, bismillah, mais attendez, il faut leur donner une autre chance. Depuis 62, ils n'ont pas réussi. Donc il faut laisser les Algériens, des gens qui sont compétents pour tenir ce pays-là, pour l'Algérie. Un jeune. Depuis 26 ans, là, 30 ans, on n'entend rien que le métro, hein, donc 10 stations. Hein, où je c'est 1900. Encore. L'aéroport, ça pue 26 ou 30 ans, c'est pareil. Parce que je ne vais pas de temps en temps, je vais de temps en temps en Algérie, je ne vous le cache pas. Comme j'étais là, puis avant de partir en Algérie, je me suis dit, tiens, un aéroport, je ne sais pas, mais t'as Washington ou là, je ne sais pas quoi. Et puis finalement, j'ai vu avec l'aéroport, ils attendaient plus de 30 ans pour construire cet aéroport-là. C'est honteux. Donc, moi, je dis que Bouteflika, il doit se retirer.
Il est mort. C'est ça qu'il faut voir. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes que des invités sur Terre. Nous sommes des passagers. Wallah, nous sommes des invités sur Terre. Tôt ou tard, on partira. Bossah, qu'est-ce qu'il y a ? Il doit laisser quelque chose. L'histoire. Quelle histoire de cas à la bout de l'Ira ? Moi, je me l'histoire de Kaï. Bled corrompu. Bled sale. Moussra. J'avais une larme aux yeux de voir un pays comme ça, un pays comme ça. Je suis d'accord avec lui, un Izafan. Pourquoi ? Parce que Kazaïri, il est un bled. Et puis imagine, il y a un ouf des Algériens. Donc voilà, qu'est-ce que je peux. Mais à condition, il faut qu'ils partent. Ils partiront pas tous. Parce que c'est moi, je demande au peuple algérien, hein, les nationaux qui sont en Algérie, ils doivent se mettre debout. Faites une grande manifestation pacifique à Khawti. Donc, il faut faire ça pacifiquement, puis de dire, nous, on a marre de ce pouvoir, il doit se retirer. Qu'alhamdulillah, qu'un rjal, pour gérer ce pays. Qu'un rjal, parce qu'ils ne sont pas dans le pouvoir, ils sont à l'extérieur. N'importe quelle personne, il y a un gaz en France. Moi j'aurais honte, pourquoi ? Parce que après, alhamdulillah, qu'il y a un internet. Et d'origine marocaine, il ne devrait pas dire ça. Zaidine Gafé l'étranger, parce qu'il est arabe. D'origine marocaine, il y a des clams, ils ont fait un contrat Renault. Ils n'ont pas le droit de vendre les voitures. Ils n'ont pas le droit. Mais par contre, au contraire des Marocains, ils ont le droit. 1 million de voitures à Tanger, 25 000 à Fimar. Voilà l'Algérie. L'Algérie est zéro. Basraqin est zéro. Il faut le couper. C'est tout. Je ne sais pas si les Algériens sont avec les Zemans. Allah yarham hum. Allah yarham hum. Allah كما قدمت في كلامك بجاز باللي الشهداء وكان عرفوا باللي كسكي سباس اكتويلمون ان الجيري يحرقونا كاع بالواحد والله بالكلاش كاع بالواحد والله يبداو بيا ويكملوا معاهم ان شاء الله واحد ما يقعد والله يبداو بيا ويكملوا مع 40 مليون بوكو رحم والديك بوكو نزوموندي نوتر انديبوندونس pour être prospère chez nous. Voilà, pour qu'on développe l'Algérie. Il y a un truc qui s'est fait. Le peuple algérien qui vit mieux, pour enlever l'Istamar. Pour cacher la corruption de Tahom, il faut bien qu'il dise ça pour endormir les gens. C'est à cause de ça. على واحد بارك الله فيك ان جاز ان شاء الله تولي بريزيدون ان شاء الله وتقاجو سخيتو شو افيك فو يعطيك الصحه والقدور فوالا لو فولور والقدور دني 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 لو فولور والقدور le voleur والقدور دني le voleur والقدور والقدور دني le voleur والقدور دني le voleur والقدور دني والقدور دني le voleur والقدور دني le voleur مرحبا بكم.
تقدر يا سبع شهور سراق وخائن سابلاس انا اون بريزون اكزاكتومون ان شاء الله هو رايح رايح ماشي اليوم غدوه ربي كبير ماشي غدوه باغد ان شاء الله اي اذا لا سياس جو كيف تالي بو تالي بيان السلام عليكم ازدن في الاول معليش معليش مرحبا بكم مرحبا بكم كاع ميرسي سي جونتي بو كوراج برزقنا حنا رانا شفتوا ولا لا اون بلونج كلشي بالمقلوب والله كلش كيما هذاك تقبل 6 مليون دولار ايوي سي ان بيرو بس باسكو حنايا راك داير اي بي باسكو Voilà, ah, t'inquiète. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils en profitent de la situation. Ah oui, pourquoi? Ils vont profiter. Tu ralentissais un petit peu? Oui. Ça, il faut le mettre droit. Vous inquiétez pas. On n'est pas méchant. Alors, il s'agit de citoyens de votre ville qui sont des voleurs de haut calibre en Algérie. Il y en a un qui s'appelle Oulkadour qui est au 22 rue Ancel et un autre qui est au 15 boulevard Victor Hugo qui s'appelle Saïd Ali. Ce sont des voleurs qui ont pris 1 milliard de dollars au peuple algérien. Pour eux, oui, et qui sont protégés par la justice française. C'est-à-dire que la justice française ne veut absolument pas les poursuivre, ne veut absolument pas ouvrir une enquête malgré des plaintes que nous avons déposées, et ils vivent en totale impunité ici à Neuilly-sur-Seine, et c'est la raison pour laquelle chaque semaine nous manifestons contre la corruption de ces responsables politiques algériens qui ont la nationalité française. Alors on y va. Let's go. Oufkadour, le voleur. الجزائري انا بدوش كيف معك في البلاد علاش في 48 ولايه في 1541 بلديه علاه ما ديروش كي معك علاش بالله راكم خايفين علاه ما ديروش كيما حنايا ديروا اللايف اقبضوا التليفون تاعكم ديروا نجمه ولا جيزي ولا موبيليس وكونوا ثلاثه ولا اربعه ولا عشره وديروا كيما حنا
في 1541 بلدية. شعب جزائري ديروكم احنايا في 1541 بلدية. هكذا التليفون تاعكم ديروا نجمة موبيليت ولا جيزي، كونوا زوج ثلاثة أربعة خمسة وهضروا كيما احنا، قولوا رانا ضد الفساد في الجزائر. ديروا هذا اللايف في فيسبوك ومن بعد في يوتيوب ومن بعد انا نبارطاجيه، فهمتوني ولا لا؟ ما تكونوا لا ألف لا مليون لا 10 ملايين، كونوا زوج ولا ثلاثة وديروا اللايف كيما احنا وقولوا رانا ضد الفساد في تمراسك، في عين صالح، في ليزي، في نعامة، في بالبواقي، في سطيف، في بشار، في شلف، في غليزان، في بورت بوريرج، في سكيكدا، في علابة، في بجاية، في تيجي وزو، في وهران، في مسعالي، في 48 ولاية. ديروا كيما احنا، ديروا اللايف خفيف، قولوا رانا ضد الفساد، ضد 40 سراق، ورانا باغيين المستقبل الشبيبة الجزائري. هذا مكان ديروه في فيسبوك وفي يوتيوب ومن بعد نبارطاجي في لاباج ان شاء الله. وفق الدور لو فولور ماكرو، وفق الدور لو فولور ماكرو، وفق الدور لو فولور ماكرو، وفق الدور لو فولور شاكيب خالد لو فولور سعداني لو فولور سعداني بوشوارب لو فولور وفق الدور لو فولور sur scène. J'attends de ces actions dans les 1541 communes d'Algérie qu'il y ait une prise de conscience collective du peuple algérien pour que cette mafia d'octogénaire dégage de l'Algérie, Inch'Allah. Chauffe le djinnah la sakin fia, chauffe au tchadur, chauffe. Oum sakin les jeunes, rabi moutou fal bhar. Allah yirham hum. Oum sraqin, oum aïchi la belle vie. Tam tu dis ou lalla? Go, please. Go, please. Go, please! Go, please! Go, please! Go, please! Mafia! 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 يا راي كاع مافيا، حكام تاعنا كاع مافيا، عندهم كاع ديبلوم تاع سرقة. Tous des corrompus. Avec un passeport diplomatique. Bien sûr. Zrak. Avec une nationalité. Plusieurs nationalités. On n'a pas arrivé en Italie, ils ont un. Dak le Masra. Maranach Baal. Al Belak. D'acclimatation, oui. 16 hectares. Ah, Rafel Jinnah, chauffe.
الحراقه مساكين راهم يموتوا في البحر، بيماتهم مساكين راهم يبكوا وهما راهم عايشين لابلفي. عيب عيب كبير والله، والله العظيم غير عيب. كارثة كارثة كبيرة كبيرة كبيرة. أجل سخسوا هادو لي زونسيان. بونجور ميسيو. Nous représentons le MJC, Mouvement pour la jeunesse et le changement algérien, et nous luttons contre la corruption des responsables politiques et économiques en Algérie, qui habitent juste ici d'ailleurs. Oui, je sais, alors, là, voilà. Brillant. C'est monsieur. C'est lui, là. Ben oui, c'est lui. Vous voyez, brillant diplômé, mais brillant voleur aussi. $1 milliard il a volé à l'armée algérienne et à la compagnie pétrolière algérienne qui s'appelle la Sonatrach. Et il est protégé par les autorités françaises parce qu'il a la nationalité française. En plus. Vous en pensez quoi d'avoir un voisin de haute voltige comme ça? Je sais pas, nous on n'est pas voisins, nous. C'est sympa. Si vous aviez des pains, mais, allez le voir, il va vous dépanner. Si vous avez des câbles là pour faire si vous voulez visiter avec moi 34 euros, on dit pas, il n'y a pas de problème. On va pousser. On va pousser. Ah, comment vous êtes au courant que ce haut voleur de haute voltige? Voilà mon chien des fois là. Oui. Et vous étiez à l'angle sur le trottoir il y a 15 jours, 3 semaines. Mais vous étiez pas au pal la dernière fois. Ah non, j'étais pas au pal, je promenais mon chien. D'accord. Alors qu'est-ce que ça vous fait d'avoir des voisins qui sont des voleurs internationaux professionnels et qui sont protégés par les autorités françaises? Bah ça, je ne connais rien. Pas d'opinion à faire là-dessus. Ça me fait de la peine parce que franchement, la France, elle est généreuse, elle est accueillante. Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'elle est, parce qu'il y a, on appelle ça une censure des médias français qui ne veulent pas parler ni des criminels. Je vais parler d'un russe. Dit, qui, voilà. Oui. Je prends sur la totalité de la Côte d'Azur, je ne sais pas quoi. Tout à fait. Oui. Qui c'est? Milliardaire russe. Qui a le rang de diplomate. Qui est diplomate, il a un passeport français. Ah, donc du coup, les Russes. À Monaco aussi, il y en a plein. Oui, mais il y en a surtout ici à Neuilly. Ah bon? Ben oui, il y en a beaucoup à Neuilly. On en a boulevard Victor Hugo, on a ici boulevard Maurice Barrès, rue Ancel, beaucoup, vous avez pas mal de... Alors moi j'ai été en Algérie, oui. À un moment donné il y a eu une éclipse où on pouvait retourner en Algérie sans craindre les attentats. Vous pouvez y aller, moi j'y vais tous les mois. Ah ouais? Oui, tous les mois. Et on était à Alger et ça m'a fait beaucoup de peine de voir tous ces jeunes dans la rue cherchant des travaux, etc. Dans la rue principale, là, dans le centre-ville. Oui, oui, tout à fait, rue Didouche Bourad. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette rue qui arrive à la poste, à la place de la poste. La grande poste. La place Audin, oui. Maurice Audin. Qui est là, ils cherchent tous du boulot, des jeunes, des dynamiques et tout. Ouais. Et les immeubles, tout. Ça sert à quoi quand on est là, parce qu'ils s'en foutent. Alors on a une page avec. Il est peut-être même pas là. Mais... sa famille est là. Sa famille est là, il est protégé. Alors, parce que c'est pas le premier jour que vous venez. Ah ben on est là depuis 7 mois toutes les semaines. Alors, ça fait quoi? Ben pendant 40 ans on va le faire. Ça. Vous savez, la France est restée 132 ans d'Algérie. Au bout de 132 ans, il est parti. Donc au bout d'un moment, il va bien falloir qu'il parte. Mais il vous a répondu déjà? Il a répondu à lui? Non, il répond pas parce que la France le protège. Vous savez, il y a une convention judiciaire. Alors, ben, il joue l'ambassadeur, c'est-à-dire il dit pas un mot. Quand vous en parlez à la presse? La presse refuse d'en parler. Il y a 40 millions d'Algériens qui sont au courant, mais la presse refuse d'en parler. La presse française refuse d'en parler. Bien sûr, c'est vrai. Alors, on se lâche avec une page Facebook, il y a 1 million de personnes. Donc, si vous avez un message à faire passer en tant que citoyen français aux Algériens, n'hésitez pas. Je cherche des postes, prenez pas des voitures. Aouno, aouno, aouno. Vous n'avez pas de passe? Allez, on va vous aider à trouver une passe quand même. J'attends l'assistance. C'est vrai? Ah, d'accord. Sinon, on peut vous aider quand même. Ça botte des choses. Vous savez, les Algériens sont connus pour la solidarité. Oui, on va la pousser. Allez, on va la pousser. Eh ben, tu vas t'en. Si, si, on va l'aider. C'est un problème de batterie ou pas? Oui. Ben, franchement, on va vous aider. Allez-y. Il vient, le mec. Ben, on va la démarrer quand même. Et comme ça, vous aurez un bon souvenir des Algériens. On va démarrer. Il y a un seul mec. On vous pousse, monsieur. Il y a des fans devant, là. Ben, allez-y. Il faut que je les vois derrière. C'est des militants d'abord et avant tout. C'est d'abord. Vous savez, chez nous, on respecte beaucoup les femmes. Alors, mouvement pour la jeunesse et le changement. Nous, on est contre la corruption d'Algérie et surtout contre le soutien des autorités françaises à la mafia des 40 voleurs en Algérie. Parce qu'on ne comprend pas comment un grand président comme M. Macron, qui est jeune, qui est brillant, il a été en Algérie. Mais il y va le 6 décembre, alors que notre président est mort, paix soit sur son âme. Qu'est-ce qu'il dit, Le Drian, là, qui est notre ministre des Affaires? Le Drian, il a préparé le terrain, il était en Algérie la semaine dernière, pour que le président français aille rencontrer quelqu'un qui est déjà mort. Vous l'avez rencontré? Non, j'ai rencontré.
inviterait personne. Et pourquoi vous n'y allez pas si vous êtes une... En Algérie? Non, ah. À rencontrer Le Drian pour lui parler de votre cas. Bah nous on est là pour rencontrer tout le monde. Mais on lui a écrit, mais il répond pas. On a écrit à M. Macron, on lui a dit de ne pas aller en Algérie. Il répond pas, M. Le Drian non plus. Non, mais entre ne pas aller et ne pas soutenir, c'est-à-dire qu'il peut aller et discuter. Mais il est mort, le président, il est mort. S'il était vivant, ça ne me dérangerait pas, ça ne nous dérangerait pas. Mais il est mort. Il y en a un qui dirige quand même. Oui, c'est la machine des 40 voleurs. Et dont lui fait partie, ce monsieur-là, M. Oulkadour. Ils sont ultra protégés alors. Très protégés. Il y a une convention judiciaire qui a été signée le 5 octobre 2016 et qui protège toute cette mafia contre toute plainte contre eux en France. Donc votre gouvernement soutient ces voleurs. Ça fait peine, hein. Oui, ça fait beaucoup de peine, oui. Surtout pour le pays des droits de l'homme. Ah oui, les droits de l'homme, bah oui, bah, ça a été pareil pour plus, hein, pour plusieurs. En France, on a protégé plein de criminels, mais en Israël encore plus. Ah bah Israël, c'est un cas particulier, hein. C'est un cas très particulier, Israël. Hein. Et comment est l'Algérie avec Israël? Israël, elle fait semblant de ne pas s'entendre avec elle, mais il négocie avec eux, puisqu'il y a une société israélienne qui a 35% du gaz à Adrar, dans le sud algérien. Alors qu'officiellement, le gouvernement ne reconnaît aucune relation avec Israël. Les start-up, en Algérie. Il n'y a pas de start-up en Algérie. On a une start-up des clandestins qui quittent le pays, qui meurent en mer Méditerranée. Vous avez bien l'Internet et tout le bazar? Oui, on a Internet, mais quand il y a le bac, on le coupe. Ah bon? Ah oui, mais... pour pas que les gens aillent sur le truc, prendre des réponses. Par exemple, oui. Non, mais vous avez Facebook, vous avez Twitter. Ah oui, on a Facebook. Vous avez... D'ailleurs, vous êtes en train de parler en direct sur Facebook. Salut les copains. Il est pas mal ce mec-là. Bon, c'est alors, vous. J'ai rien dit, j'y connais rien. Moi, je ne suis pas. Non, mais franchement. Pas, mais s'il peut me pousser la voiture. Mais là, on peut la pousser tout de suite, allez-y. Allez, mettez vos volants, là, comme ça, on va la pousser. Mais non, maintenant, le dépanneur, il vient. C'est spécial, c'est automatique. C'est vrai? C'est automatique. Ça ne démarre pas. C'est automatique. Ah, c'est votre voiture, ça, non? Mais vous venez. Mais vous venez. Elle est en panne. Elle est en panne. Vous êtes de Toulouse, vous êtes où, du Lavandou? Non, il est rentré justement de son. Il a une, lui, il est veuf, il vit à la, dans une résidence secondaire. Dans le sud, oui. Voilà, et il est rentré là. Et sa voiture qui était là, elle a redémarré. Il a fait du chemin quand même, hein? Il a fait du chemin. Il est riche, il est le dôme alors, c'est la pas besoin de la voiture. Ouais. Comme vous avez vu les jeunes à Alger, vous m'avez dit que ça vous avait fait mal au cœur. Ça m'a fait de la peine parce qu'ils étaient vraiment bien, voulant travailler et qu'ils ne trouvaient pas de boulot. Et ça, c'est comment est le chômage maintenant? Ça se passe très mal, c'est pour ça que par milliers ils essaient de quitter l'Algérie, à cause de cette mafia soutenue par la France. C'est ça qui est terrible. Excusez-moi, pardonnez-moi une minute. Hein. Oui, demandez-lui s'il a des pinces. Des pinces? Vous allez lui demander, bien sûr. Oui, salam alaikum. Ça va, frère? Ça va, tranquille. Ça va, frère? Ça va, frère? Allah, ça va, frère? Inch'Allah, ça va apparaître. Inch'Allah, ça va apparaître. Merci, frère. Barakallahu feek. Ismaïl, t'as pas des pinces de voiture dans l'index? Non, mais elle dit. Barakallahu feek, frère. Merci, Sahid. Dommage, il n'a pas de pince. Personne n'a de pince. Je ne comprends pas comment les gens n'ont pas de pince. Même lui, comment ça se fait? Il n'a pas de pince. Parce qu'il, peut-être qu'il roule en confiance. En train de filmer, vous ne connaissez pas, il y a un très joli dessin de santé. Vous l'avez fait, c'est un illustrateur français. Oui, je connais. On voit une manifestation comme ça. Sur plusieurs, il y a des banderoles de tous les sens. Absolument. C'est un peu comme l'eau. Il y a un banderole, lui dit, cherche appartement de pièces. C'est génial, ça. Hein. Ouais, ben, lui, il a deux appartements de 7 millions d'euros. Ouais. Donc nous aussi, on cherche des quelques pièces. Je dis, si vous allez plus loin, c'est monsieur, si vous allez tout au bout d'un Halong, oui. C'est le roi d'Arabie Saoudite qui est l'immeuble. C'est pas mal, ça aussi. Hein. Ouais. Mais c'est toute la mafia qui est ici, à vrai dire. Mafia maghrébine et moyen-orientale. C'est bien triste, quand même. Hein. Non, moi, ce qui me fait le plus peur... Oui. Ce monsieur que je connais pas et je sais pas, il a des choses. Oulkadour, Abdelmoumen Oulkadour. Celui qui me fait vraiment triste, c'est ce Bachar el-Assad qui a tué tellement de gens avec des gaz et des machins et qui va rester président de la Syrie. Assad, oui, tout à fait. Mais c'est pareil, hein. D'un côté, vous avez un criminel non, de guerre. Tué, il a tué des gens, lui. Lui? Oui. Ben, il les tue économiquement, oui. C'est sûr. Vous savez, il y a plusieurs types de meurtres. Il y a des meurtres politiques et des meurtres économiques. Ce type-là est en train de saboter l'économie algérienne. Mais il est toujours en action? Bien sûr, oui. Et en plus, il a été condamné pour trahison, pour divulgation d'informations classées secret de France. Il est là. Oui, non, mais il retourne en Algérie. Oui, et puis il parle pas arabe en plus. Il dit berbère d'ailleurs. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est en prison pendant 20 mois.
pendant 20 mois. Allez, Rachid. Merci. Oui, salam alaikum. Azzour, wacha khoya, prière, la baisse. Abdullah, les handi khoya. Voilà, t'es que ça. Très bien, vous t'aillez. Ehla, wacha khel baraka, le boustak bez ablan. La baisse. Kera kum, prière. Abdullah, les handi khoya. Ak tchouf. Voilà, débrou, douga, douga. Voilà, habba, habba. C'est pas facile, je chauffe de grebe le téléphone. هلا واش راك البلاد اليوم تاعك؟ الحمد لله. هاي مليحة البلاد؟ مليحة كل مليارة الناتج. مش عارف قول لي كيراك كيراك تفاد لك البلاد؟ اون سمون مو سا مارش با. اي بوكو سا مارش با البلاد؟ سا مارش با. يا كود كود سا مارش با دو تو. واش ديروا بهذا السكبو هذا البلاد؟ نعم؟ لعبتك دايما واش ديروا بهذا السكبو هذا البلاد؟ لازم لو شونجمون. عمل شوف يا بابا بدلوا هذا البلاد توت ليطا صح ليطا راه قبيح شويه على بالك ها مليح شغل شويه مليح يلا ان شاء الله بارك الله فيك الله يعاودك خويا يعطيك الصحه allez on va rester 5 minutes هنايا et on va couper بسم الله واش راكم؟ صباح بخير هيا مرحبا بكم بيان تخيل اروح اروح بالله اروح اروح وتقدر هنا يا تخوزيام ايطاج 7 مليون اورو 140 مليار سنتيم جزائرية هنايا راكم تشوفوا هنا سراق والخيطة وتقدر هنايا دوز ابارتومون 7 مليون اورو 140 مليار سنتيم تخوزيام ايطاج 7 مليون اورو مافيا شوفوا الشعب الجزائري تراهمكم وراهم شوفوا ها ولا واش قدور هذا ثالثيام ايطاج واش قدور ثالثيام ايطاج عندها دوز ابارتمون شوفوا الشعب الجزائري شوفوا الحراقه مساكين ولادنا يموتوا شوفوا الشعب شوفوا واش قدور شوف لا بورش كاين ماهيش انا مساسونيا شوفوا الشعب الجزائري تراهمكم وراهم ويحيى قلت لنا على الدراهم سقسوا الشعب تاع الجزائر حنا ولاد المجاهدين ها هما دراهم الجزائر راهم هنا الف مليار ها لا الف مليار راهي هنا والله غير حرام عليكم والله غير حرام عليكم كاع الموند راه يضحك علينا حرام عليكم ولادكم يموتوا الحراقه مساكين يموتوا في وقت الارهاب في وقت التسعينات حرقوا 110000 110000 في وقت بوتفليقه حرقت 800 975 حراق 875 حراق وهاد لا مافيا شكيب خليل ويحيى ولد قدور شابه تكون شارش كاين الموت كاين الموت يعني نموتوا شو الشعب ساكت زيفتوني فيديو زيفتوني فيديو من اسبانيا فرونتيير اسبانيول ماروكان زيفتوني فيديو في سبتة جزائريين لي جان ما خلاهمش يدخلوا اسبانيا يقطعوا في روحهم لا فيديو راهي عندي هنا هذه اليوم دي زالجيريان شو القيمة تاع الجزائريين وين ولات؟ حرام عليكم الشعب الجزائري راه عندنا سامدي عندنا سامدي ديمونش نريحوا فيه ما خصنا والو الحمد لله رانا هنا نساندوا فيكم الشعب الجزائري شوفوا دراهمكم وين راهم حرام عليهم شوفوا الدراهم تاعكم وين داوهم هادشي يكونوا هاد السراقين هذا فوكسيونير عندها سالير Il n'a pas le droit, il achète deux appartements là. La France il est complice, il n'a pas le droit pour acheter deux appartements là. La France il est complice. C'est nous, d'achat un chèque, d'un 1000 euros, il vous le fait un chèque. Adar, d'achat le flous, kbar. Flous, kbar. Haram alikum, haram alikum. Le chef de Jazayn, il y a un fait. كريم سي بو دوربي سا سيرفيرا ريان برك سالو كان تحركو كي 48 ولايه في العالم كامل لا سا با سيرفيرا اوفغي ان ليف ديستوار فو فيغي كومون سا فونكسيون السلام عليكم زيد خويا زيد 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 خويا راهم
ماشي حق عليه. إلا بار دروا، إلا بار دروا، إلا بار دروا. هذا نداء pour les autorités françaises. إلا بار دروا pour acheter un nid deux appartements. Un nid deux appartements. Là, on a l'assassin, Marie Victor Hugo Annie. C'est un glaïli qui achète ici un appartement. Saïdani, c'est un traître. Saïdani, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Les autorités françaises, elles sont complices. Même si je suis tout seul, je continuerai pendant 40 ans. Urgut et Taïa, Mohab. Urgut. Khalid Yaswarfa. هادو لي زابارتمون تاع السرقه يروحوا في سيزي. حنا رانا معاكم الشعب الجزائري كاولاد مجاهدين، رانا معاكم والله ما نطلقوا لي فولر. هادو الخيان هادو والله ما نطلقوهم. رانا ساندو في رشيد نقاد، راه يجيب لنا لوتوريزاسيون، رانا سلميه هنا قانونيا، رانا قانونيا هنا سلمه. بصح هادو السراق والله العظيم ما نطلقوكم. رانا كل سامدي رانا هنا حتى نموتوا، كل سامدي رانا هنا. وهاد الحراقه مساكين لهم يموتوا، الله يرحمهم الله يوسع عليهم. الذنوب تاعهم تبدوهم انتوما يا كارون دو فولور، تبدوهم انتوما. 54 ما كادوش 40 مليون، كادو 22 برك. حرام ولا كيف كيف؟ لي سونتر راهم معمرين في اسبانيا، روحنا لاسبان، لي سونتر راهم معمرين. الحباس داروا لي جال، لي مينار راهم يديروهم على لي ماجير الجيريان. وين راكم الشعب؟ وين راه هذا الكوفرنمون الجيريان؟ راهم كاع يسرقوا، راهم يسرقوا سرقه سرقه. والله ما على حشمتونا، بهدلتونا. يحشم واحد الدراهم تاع ليزاجيريان راه هنا في فرنسا وفي سويسرا. انت تجي تشري السارق تشري هنايا فاني. شوفوني ني شكون يشري هنايا؟ ما كاش اللي يشري. جي دي كومبا هناك عندهم دي سوسيتي، عندهم سي دي زاني، سون دي بير زايدين هنا. والله ما يشري هنا في ني. حرام عليكم، حرام عليكم. السلام عليكم. ورانا معاكم هنايا كل سبت، والله غير كل سبت. ما نكونوا مرضى نجوا، ما نكونوا بالسيروم هكا نجوا. والله كيما الحراقه رانا معاك. والقدور والله ما نطلقوك، سعداني والله ما نطلقوك، شاكيب خالين والله ما نطلقوك، سلال او يحيى رانا كاع موراكم والله ما نطلقوكم. ولا عندكم حاجه في يديكم ليسونسيال كاين نموت روحوا. السلام عليكم. بارك الله فيك. صحة. بارك الله فيك خويا. الدراهم الحرام يروحوا في الحرام. Oui, on est à nouveau on est à nouveau ici pour dénoncer ces voleurs qui ont détourné l'argent du contribuable. Pour informer les personnes qui sont là, surtout les voisins, si on a des voisins de Oult-Kaddour qui nous regardent, on va vous informer, donner des informations sur ce voleur, comment il a fait pour ramener cet argent. Premièrement, ce monsieur, c'est un criminel. C'est un criminel pour une simple raison. Il a été condamné par le tribunal militaire de Blida à 30 mois de prison ferme pour détournement d'argent et pour espionnage. Donc c'est un monsieur qui a un casier judiciaire, il a un délit pénal normalement par rapport au code algérien. Il n'a pas le droit d'assurer une responsabilité au sein d'une société nationale. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est directeur général de Sonatrach. Ça veut dire, c'est une société qui nourrit 40 millions d'Algériens. Donc on ne comprend pas la justice algérienne. Où est-ce qu'elle est, la justice algérienne? Comment vous favorisez les criminels et leur donnez un poste de haut fonctionnaire? Donc, nous, ici en France, on dit non aux criminels. On dit non à des hauts fonctionnaires qui détournent l'argent du contribuable pour venir ici en voilà France la tête du voyou, acheter des du voleur, appartements du traître, à 2 millions, voire 3 millions d'euros. Donc, monsieur Oult-Kaddour, d'où vous avez amené cet argent pour acheter deux appartements ici en France? Alors nous, on veut la traçabilité de cet argent. Vous savez bien que la loi l'interdit en France. Comment il a fait, monsieur le procureur général ici des Hauts-de-Seine? Comment ce monsieur a fait pour acheter cet appartement? Est-ce qu'il a fait un transfert d'argent de l'Algérie? Est-ce qu'il a la traçabilité de cet argent? Non, monsieur le procureur.
Ce monsieur, c'est un voleur. Ce monsieur, c'est un voyou. Ce monsieur, il a détourné l'argent des Algériens. Il a détourné l'argent du contribuable. Il a détourné l'argent du pétrole. Il a détourné l'argent de la Sonatrach. Donc nous, on est là à chaque fois qu'on a l'autorisation de venir manifester. On est à côté de votre appartement. On manifeste jusqu'au jour que l'État français récupère ses appartements et les vendre aux enchères. Et après, on récupère l'argent. On va les mettre dans le budget de fonctionnement de l'Algérie. Donc, on demande ici à la justice française d'interdire ces hauts fonctionnaires algériens d'acheter des appartements au nom des Algériens, alors que cet argent a été volé et cet argent a été détourné par ces bandes de voyous qui sont au pouvoir. Donc, monsieur Ould Kaddour, pour nous, vous êtes un vrai voyou. Pour nous, vous êtes un vrai voleur. Pour nous, on ne vous lâche pas jusqu'au jour où vous allez être jugé pour vos actes. Et vous allez, votre place aujourd'hui, normalement, elle est derrière les barreaux. Malheureusement, on a un pouvoir illégitime, un pouvoir de mafia qui favorise aujourd'hui cette bande de mafia d'acheter ici en France. Donc nous, on continue à manifester jusqu'au jour que ces bandes de voyous vont être derrière les barreaux. Merci beaucoup. Barakallahu fik, oustad. Bravo. يعطيكم الصحة صافي بيجير أنكور 5 مينوت وكملنا 5 دقائق صحيت أستاذ يا حق رشيد بارك الله فيك عطيتنا لا بارود والدماء السكيات الطائرات والبلود لامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات نحن ثرنا في حياة أو ممات وعقدنا الأزمة أن تحيا الجزائر فاشهدوا تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر أفالا مافيا دي 40 فولور 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 لي 40 فولور الله يرحم الشهداء تحية الجزائر لي 40 فولور والله ما نسددهم كل سنة رانا هنا Ils seront jugés et emprisonnés, Inch'Allah, fil Jazayer. Tahya Jazayer. Vater Serraqil. Tahya Jazayer. Tahya Jazayer. Boudou al Jazayer. Nagaz, Raïs al Jazayer. ان شاء الله يعطيكم الصحه تحيا الحق والله تحيا الحق يا سير وناس رجال ناس كانت في ولايه والله ان شاء الله تحيا كاع الناس تحيا لارمي ميليتير لا جندرموري لا بوليس ولا بوليس ما تطيحوش في البير تاع السياسيين اللي راهم يقولوا لكم تضربوا الشعب ما تضربوش الشعب ما تضربوش الشعب تحيا واتسوف تحيا غردايه تحيا بسكرة تحيا الغوات تحيا باتنا تحيا بسكرة تحيا وهران وهران تحيا ألجي تحيا تزوزو جاية جاها في ولاية أدرار تندوف تحيا كاع الناس 48 بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والسلام عليكم